simulateur de surf vrai. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui est poussée à la vitesse d'une vague. On a un équilibre qui est acquis avec une planche de wake surf qui permet d'avoir exactement les positions d'un surfeur quand il est sur l'eau, après le take-off, quand il a démarré sur la vague. Et si je n'arrive pas, si je veux descendre, tu veux descendre vraiment, t'es là, tac, tu vas d'un coup, hop, et t'appuies sur l'avant. Si je descends de la planche. Descendre, bah tu m'appelles et puis. t'appuies. Tu sens comment? Bien. Ah, tu verras, super facile. C'est la plus petite machine du monde à surfer. Pocket Surf. Je surfe sur une petite machine. L'idée du Pocket Surf est venue qu'aujourd'hui, les loisirs sont pour tout le monde et pas simplement pour ceux qui ont la chance d'habiter au bord de la mer. C'est pratiquement les mêmes sensations que celles du surf. Bien évidemment, en surf, on surfe quand tout va bien entre une seconde et 5-6 secondes. Là, pendant 2 minutes, on est capable de surfer et ça fait les cuisses en plus. Là, je vous fais exactement la même chose. Voilà, t'appuies bien sur la jambe arrière pour monter en haut. Et t'appuies sur la jambe avant pour redescendre. Jambe arrière. Jambe avant. Jambe arrière. Et la jambe avant. Les talons. Les orteils. Voilà. Le pocket surf est adapté à deux types et deux principes de glisse. Il y a la glisse naturelle où j'ai les mains libres qui permet de surfer, tel qu'on peut le faire à Hawaï ou à Biarritz ou à Bayonne ou ailleurs. Mais si je baisse la machine, la suspension derrière la machine, là je prends le palonnier et à ce moment-là je retrouve tous les sports tractés, ski nautique, wakeboard, wake skate et autres engins tractés. On est à partir de 8 ans, on peut faire surfer des enfants jusqu'à 77 ans. Le pocket surf est absolument pas dangereux, il y a de la mousse partout, c'est de l'eau. Et puis quand on tombe, on s'arrête sur un filet ou par terre, il n'y a aucun risque. On a inventé le pocket in surf in the city pour que tout le monde puisse en profiter. Et les surfeurs viennent, au-delà de chercher la plus grosse vague, ils viennent s'entraîner. C'est un très bon entraînement physique, le pocket surf. En 2 minutes, un citadin en fait un surfeur. Température extérieure, 4 degrés. Sous la combi, 35 degrés. C'est physique. C'est un petit peu Hawaï sur gel. Allez, on va essayer le 180. Pas mal ça, j'ai demandé à Chrissé qui a été quand même champion du monde de tout. Non. Hein? Si, si. Championne de France, championne d'Europe. J'ai été championne de France et j'ai gagné la Coupe du Monde par équipe, mais j'avais pas.